garawante il faut ñu def ay équipe boy def tournant faut nga def équipe mais lool rek indi équipe lo do pon xolé dak waye lañ ci djublu moy woné harala woné man manu woné fétu gendar lool lañ ci djublu mam yi fofu lañ déparé won mais ñi ñew légui waru yak lool dañ ci dañ ko war yok motax nak ñu défar ba mu bax gal yi et puis lutax non violence di am non violence violence kuy tricher mo koy def waye kuy ci entraînement yi ñaar fukki fan ñi fassene wuñu tricher sen doole ak sen xaral ñu wolu kon ba nga xamni kenn duko xalat sax waye dafa bax rek même nit ñi sétan xamé ko non xamni fet la fet gu reey la bes bu mag la ay autorité yu mag ñoy ñew wonal leen delu ndukal cette campagne de sensibilisation a l'effet vraiment de faire comprendre à tous les acteurs que le sport ne rime pas avec la violence. Il est évident que nous ne nous attendons pas du tout à une quelque forme de violence, n'est-ce pas, lors des compétitions. Mais comme on dit, gouverner c'est prévoir. Je rappelle que lors des deux précédentes éditions, ce sont les acteurs eux-mêmes qui se baladaient bien avant l'événement dans les artères de Guendar à prôner la non-violence. Mais cette année, nous avons cru devoir, en tant qu'organisateurs, prendre les devants pour renforcer le message, n'est-ce pas, décliné par les acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous avez pu en témoigner, nous avons sillonné d'abord le fleuve, n'est-ce pas, depuis le cimetière jusqu'au pont. Alors pour inviter les acteurs qui sont dans l'eau, en train de s'entraîner, à tout faire pour pacifier, n'est-ce pas, l'espace dans lequel ils auront à peut-être compétir. Et ensuite, nous avons sillonné les artères de Guendar, n'est-ce pas? Alors, avec un message qu'on a lancé, halte à la violence, violence zéro. Je pense que ça a été compris et que le jour J, nous sommes très optimistes pour une raison simple. Depuis 20 jours, les acteurs se sont mis à s'entraîner comme des forcenés, n'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Ils ne comptent pas tricher. Ils ne compteront que sur leurs efforts pour se surpasser et finalement pour peut-être concocter un spectacle qui sera digne de nom, n'est-ce pas? Et l'un dans l'autre, l'objectif, c'est de participer, n'est-ce pas, à la renaissance culturelle de Saint-Louis. Voilà l'objectif, en réalité, peut-être qui est visé et qui permettra au soir du 22 novembre à Guendar, à toutes les populations, n'est-ce pas, de communier dans l'allégresse. Parce que si l'on Pondokholé, Dak, chacun des sous-quartiers vraiment est champion, mais c'est Guendar qui sera champion. Guendar va fêter comme on va le faire maintenant.